Journée jodi a gen yon situation ka déclenché nan grand nord pays d'Haïti. En pile ke ap sauté pour di nou pa ta renmen sa ka passé nan grand sid la pou ta vin répéter nan grand nord. Et effectivement, c'est sous route ça que nous y est. Gen yon base ki rele Kokorat sans race. En pile moun yo jòs tande Kokorat sans race. Et puis yo tout commencé à dire gon baz la nan nord nan go naïve nan entre sud la quoi péris yo relè le Kokorat sans race. Mais est-ce que tu connais ça yo? Ouais nan ka démission ça, ti nèg an tout prèt la pral bon en pile détail. Et gen en pile nom ki pral cité là, m'pense la police en soi gen kèk bagay que la police a li même la va on prend la ba joine comme élément d'information, la va prendre ti kayel pour l'écrire kèk note. Mes chers amis, comment nous y Joune jodi a, prend son printemps. Parce que émission ça lié spécial, oui. M'bral palo nan ka d'émission ça, base ça, qui vin Kokorat sans race, ka bay en pile problème nan grand noa. Auparavant, nek Kokorat sans race, mes chers amis, nek sa yo, yo te fè baz yo nan zone Pachoual. Yo kon fè baz yo nan marché Saint-Macla ki nan do commissariat. Parce que wòl yo te gen l'autre fois, lè yo pote ko an lè kon sa, pran son boutan de sa m'ap di a oui. Lè nèg yo pote ko an lè kon sa, lè yo pote ko fè allié avec l'autre groupe armé nan noa, wòl yo se te bloke machine. Lè m di bloke machine nan, c'est-à-dire nèg yo ap vini kanpe machine et puis fouye moun nan de machine k ap fè zon nan, pran tout sa ou gen sou yo. Mais fòm di nèg sa ou mes chers amis, c'est nan l'estè ke nèg yo même yo te fè yo te gen siège officiel yo. Siège son bon côté yo toujours réuni parler, c'est l'estè nèg yo te fè baz yo. Étant donné nèg yo mes chers amis, yo a c'est principal mission yo l'autre fois, c'est bloquer machine. C'est camper machine sous national la fouiller machine yo et parfois yo conjoint avec zogren yo tout parce que gen quelquefois là on pense c'est des civils qui n'ont machine tandis que yo conjoint gen nèg qui très armé gen policier qui kon a fait route là qui kon met bagaille nan men nèg yo. Ça qui vient passer mes chers amis, nèg yo vinn wè mouvement freeze machine nan pas bon pour yo. Parce que lè yo fè écran pou yo camper devant machine, ça ka arrivé gen an pile la do ka tombe en babal. Nèg yo vin kite mouvement ça, nèg yo vin nan question rentrer kay moun ki habite l'estè. Pa bien m'di nèg yo c'est l'estè ki yo te positionné auparavant. Pa bon tout petit détail pa pressé parce que émission ça très spécial. Nèg yo vin avec on l'autre bagay, on l'autre fonction nan base là, c'est rentrer nan kay moun, rentrer nan kay moun le soir. Pote aller depuis c'est ça qui rejoint et l'autre bagaille qui grave encore que nèg yo kon fait dans rentrer kay moun dans zone listé madame ou mettre là nèg yo après madame yo a violé le présence sou ka kre a crier mon pa gen rien pour ti. Et à cette époque mes chers amis, nèg qui était dans tête et groupe armé ça parce qu'elle peut ko gen non, c'était on tout crelé boni, c'est on tout crelé tonton, mais tonton ça li mouri oui, c'est Lomati. Tout ça qui en dans Kokorat sans race journée jodi a yo ba non monsieur non major avec un certain DPRS, tout ça te kon vann nèg yo bal pou yo capable fonctionner. Étant donné moun leste pat karité bwa kwaze pour un groupe jeune garçon mal intentionné qui te kon a frise machine k'ap passe sou national la, yo vinn wèl pa bon pou yo, yo obligé rentrer nan kase kay moun nan zon nan et puis violer les bisse femme ke yo jeune nan kay yo. Moun leste t'ap pral fè yon brigade. Ou de samedi a, moun leste t'ap pral fè yon brigade. Et c'est à partir de brigade ça qui pral fè nèg yo pral obligé quitter leste pour yo monter en les platon. A dit c'est toujours dans même leste mais dans zone côté te kon fonctionné a, yo quitter, yo al positionner yo en les platon. Par contre si n'té wè les bas ça première vidéo qui t'ap pral viral sur réseaux sociaux côté te gen ou nan nèg yo te campé non paquet moun non paquet non paquet moun et bi li lap dou c'est même ki to wa c'est même ki Kokorat sans race yo pa gen famille. Par contre si nous songe ça non mes chers amis, et bien zone ça li rele en les platon
malgré tant de Platon sonné, mais c'est pas plate vrai. Son zone qui chargée avec monde. Vous entendez ça me dire? Son zone qui chargée avec monde. Négo quitte le step parce que vinn gen brigade k ap veye négo à moins d'à 400 population ap met siro pou yo. Négo quitte zone là, il y a plein refuge en les Platon. Non, même le step a toujours oui, mais faut tout pendant négo à rester en les Platon. Négo style toujours descend le step. On qui l'est chaque lundi, chaque jeudi. Yo descend dans optique pour al fouiller ti machan yo. Madame Sarah, ou moun ki pral chercher la vie, mais yo pa rete non, yo fin fè sak la pou un bien bonè yo descend pour dé yo getan remonter en nan fief yo, côté al prend refuge, côté ki yo trouvé ki son un endroit stratégique pou yo ki c'est en les Platon. Mais fòm di mes chers amis, les bandits sa yo parce que autre ko gen non. Les timé c'est une cocoat sans race journée jodi yo. Les nèg sa yo fin quitter l'esté, yo monter en les Platon. Nèg yo lè yo descend chaque lundi chaque jeudi a. Yo kon fon on nèg yo kon fon on titan. Tendez bien oui, nèg yo yo zone yo relé l'autre bord pont zone pour entrer dans ti jardin. Son prend. Ba kon si nous là non, c'est la nèg yo qu'on a le fait l'air. Lè me dit les lè yo descend trois bonnets et machine yo même yo beaucoup dans la rue. Nèg yo al fè lè ka mon patnè mi se relé zo. C'est pas zo et qui nan me FBI là non 400 maozo non, mais son patnè en dedans qui relé zo. Mi se était habité dans zone l'autre bord pont, zone entre ti jardin. Je comprends pour moun lesté, y a comprendre ça m'a parlé à là. Et ben qui s'est passé? Zo sal pa là non, mi se mouri oui, mi se mouri dans même domaine al bloqué machine nan. Mais pas oublier non. Tout les nèg sa yo en parlant de Boni, Lomati qui vinn major en de base pour sans race. Comment bien oui, tout les nèg sa yo vinn quitter l'esté. Still toujours gen l'autre jouet cap opérer oui, mais nèg sa yo plus konnen yo, c'est yo même yo plus ap veye. Pas bien tout gen brigade qui vinn monter dans l'esté. Est-ce vous comprendre? Et bien les nèg yo fin quitter, y a dans les Platon et puis les besoin faire que yo descend bien bonnet car on tout que les eaux monsieur mouri, a dit l'autre bon pour nous son entre ti jardin, puis au capable joindre ti machin les sorti, machin les sorti bien bonnet, les ti machin les sorti, puis au capable frise yo prend ça que yo gain sous yo. Mais toutes les nèg yo rete en les monnan. Yo les en les Platon, on paquet monde qui là, et la nèg yo al caché, mais gain des soldats. Gen de nèg ki gen moto, lesté ki toujours a servi nèg yo antenne. Non nèg sa yo c'est William et puis Baby. William nan c'est cousin Lomati ki rele major en dan base Kokoat sans race. Attendez bien ça m'a dit ya. Attendez bien oui. Eh bien William sa et avec Baby nèg yo men rol yo. Debi yo konnen gen yon tim on timon nèg tombe nan zone nan. Moi même par exemple dagon timon nan zone nan, nèg yo mete antenne. Et puis vous voyez nèg sa yo sou pied en parlant de Boni, en parlant de tonton qui parle encore monsieur Mouri, parlant de Lomati, l'autre joueur qu'il gagne, attendez bien oui, pour venir frise nous. Et nèg sa yo te gen moto, y a si on est a dit nèg yo, mais qu'il est pour descendre, mais qu'il est pas gen policier dans l'aria pour capable venir faire coup. Les nèg yo commencé venir très habile. Nan fait mauvais acte, là à tort nèg yo obligé pour aller mettre tête yo pour capable créer yon groupe armé qui relé Kokoat sans race. C'est-à-dire groupe la te gen la déjà oui, mais le pot ko gen non. Nèg yo relé groupe la Kokoat sans race, mais nèg qui se président bien capable di qui en tête groupe la, monsieur te rete go naïve. Li paret là encore parce que te rete go naïve, yo relé monsieur Meye. Monsieur se frère Zomo et Baptiste là non, monsieur se frère Zomo et fòm tou to sa li te rete nan Riel Fleurissin. Bon on bay gaz comprendre pour tout te connait propre nèg yo on mande de vous c'est mon gonaï va prendre ça m'abdou là là et bien toi qui c'est meilleur li gen plusieurs li gen deux frères qui en dedans base ensemble avec lui attendez bien oui mais les nèg yo nan gonaïve yo konn mené l'autre joué à l'estep pour y aller faire coup on comprend parce que gen brigade l'estep k'ap veye nèg sa yo et bien yo obligé à checker l'autre joué dans l'autre zone acheter l'autre joué pour y aller faire coup. Dans l'esté et ça que tu viens là parce que tu gagne des dans nèg ça qui te on a le faire dans nouveau nèg ça qui meilleur ensemble avec Lomati Boni tonton mouri pas là encore tu qu'on a le prendre nèg ça sectionner pour aller faire dans l'esté parce que même tu gagne t'connu déjà t'a tant yo ben tu gagne des dans nouveau nèg ça qui population te crabiné est-ce qu'on prend tu gagne des dans nèg ça qui population te fin touyer yo après ça boucaner yo mon cher. Raison que fait m'dou, meilleur qui c'est chef Kokoat sans race, il t'a pral quitter Gonaïve, c'est parce que on gion taureau qui relé Polda
Paul Dassa, c'est un major-jo en dango naïve. Et Toza, c'est bon allié avec Timépris, qui c'est chef gang dans Jean Denis. T'as dit bien, oui? Eh bien, Paul Dassa, Toza, t'es même tout yé, yon nan nek koukouat sans ratio, koun ya koukouat sans ratio, une formé. Est-ce qu'on prend? Et puis, Paul Dassa, t'es vle déraciner nek yon net. Et même nek koukouat sans ratio, t'es fait complot tout, pour te voir façon t'es capable de tout yé Timépris. Et dans donné Paul Dassa, qui sont major-jo dans Gounaï, ou pas qu'à moun Gounaï, ou pas qu'on nek yon Paul Dassa, eh bien, Neko Kwad San Ratio te vin avec yon en mouvement. Neko te dit depuis ces machines, depuis ces bis qui a chargé dans les stations que Paul Dassa a dirigé, depuis bis ça a passé, on prend dans la Croix Péris, la passé dans la zone Joannis, eh bien, bis si là, depuis ces moun qui l'a dans, y a kembe tout moun yo, c'est-à-dire y a kidnappé ou fait par moun sa ou bay l'argent. Est-ce que vous comprenez? Koun ya, étant donné Paul Dassa, lise allié avec Timépris, c'est ça que pral fè, mes chers amis. Kokouat San Ratio koutan de dernièrement là, yon nan joué yo, qui vin fè alliance avec Nek Savien yo. Ma kont sou la non, qui vin fè alliance avec Nek Savien yo. A dit Paul Dassa, nan go naïve, li flanke meye qui se chef gang Kokouat San Ratio la de yo. Et Paul Dassa se allié Timépris. Timépris qui en face Nek Godma ou nan Savien. Et bien koun ya Kokouat San Ratio, li tout fouye kol en bas en moun, en bas zezel, ti mè se Savien yo. Mais ouais, tout le Nek Kokouat San Ratio d'ab opéré, bat gen manche nan mè yo non. Se ti manche koutoui, ki te nan mè Nek Godma ou nef mini, mè ti 38 oui. Se pendant Nek Godma ou fè alliance avec ti messieurs Savien yo. Est-ce que vous comprenez? Et puis vous avez des manches longues pour vous capable d'opérer, oui. Et vous avez un mouton gros, un gros et coup là pour te touiller ti Timépris. Oui, Timépris, vous avez un mouton gros. Peut-être que vous avez un bon pied, tout bien, ça l'a servi tout. On dit Jean avec lui tout bon vrai. Parce que Timépris, vous avez fait déplacer dans Jean Denis. Pour le dal la kay Paul Dassa dans Gounaï. Vous avez un apprendre ça. Vous avez laissé prendre longue étape. Un gros cause m'a parlé là, oui. Hati, ou même qu'a vive non go naïf ou même qu'a vive non bon nan Balatibonite ou pas capable comme ça m'a parlé à la yo le petit net en tout prête là voir information même dit ça déjà gien en pile groupe armé ou est créé ou tande ou vinn gien non journée jodia c'est pas pendant ou gien non ou existé yo te style toujours là peut-être pou ko gien toute visibilité ça projecteur a pou ko limé sou yo parce que pas besoin bagaille gien en pile zone en dehors là. Mais ça sorti tout ça son faiblesse yé bon côté responsable qui nan PNH là oui. Tendez bien oui, nous tellement accentué sous affaire Port-au-Prince, Port-au-Prince, Port-au-Prince oui. Port-au-Prince gen pile problème, Port-au-Prince gen pile bandi, Port-au-Prince gen pile groupe armé, mais en dehors puis mal lui. Gen des groupes armés en dehors beaucoup pas même connait, nèg yo al faire et comment yal faire ti siège yo en dedans on tout monde. Comprenez bien oui, a dit zone ça autour yo besoin présence policière. A dit les nèg la li même n'a évolué li wè la police pa ka fè nan la police pa ka fè le way et bien on bonjour li pa éclaté li pa déclencher c'est ça qui passé nèg ça au depuis nan pak choual nan l'esté on prend depuis les nèg yo té konn al positionné nan marché Saint-Marc la même depuis les ça oui si la police té le capable déraciner mauvais plan yo jusqu'à on prend nèg yo vinn arriver gen 400 ras qui vinn youn nan groupe armé. Nèg sa ou pa manje an ek frè de pou pase nan zone et Tibouadom ou si j'ai avec un kidnapping va sauter là ou saute enlever 30 moun qui sorti dans Saint-Anne va sauter de ça là. En tout cas mes chers amis, ce qui est important information ça ou me penser que DCPJ lui même là va comprendre gain yo dans archive lui me penser l'écrou met ton côté parce que moi même yo le petit nèg en tout prêt là c'est en tout prêt m'a en tout prêt c'est coup de main qui m'a essayé bail pour moi c'est bagaille ça lui même qui capable suspend malgré me connaissez bon bagaille qui facile lui. Résoudre problème de sécurité dans la bouche, non le bac à fait. Mais peut-être, je pense que ça m'a dit qu'il a servi comme un booster pour faire un gars pour mettre un marché pressé dans Dada Next Sayo. On voit qu'il s'est même promoté insécurité pour voir comment on est capable de changer stratégie, changer plan ça pour tout le monde, pour y a tout busy peuple. Bonjour, guerrière. Bonjour, staff radio. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices, Radio Caraïbe. Mm-hmm. Oui, donc information est confirmée. Toutes 29 monde qui étaient dans main ravisseur yo dans zone Gromon yo finalement rentré la caillou hier. Alors, et pour profiter occasion pour remercier au guerrier. Comment remercier un jeune garçon tant que lui qui était blessé l'été pour tout ce que l'idée de nouvellement. Qui a mobilisé les réseaux.
profiter pour remercier tout le monde en général qui était pas écoute mais qui était contribué d'une façon ou d'une autre pour te sensibiliser et que lui fait mauvais là arriver dans un oreille à vie. Alors peut-être que je parle que tout le monde arrive à la caillou. Mais mon qui pitre yo, hier soir, je dormais la caillou. Mais il y a un monde qui sera présent qui va aller très vite qui vient dans la section communale, qui est la route, qui a essayé ouais, si vous cherchez la route caillou pour rejoindre la famille. Et effectivement, jusqu'à ce que nous allons arriver, et on l'a libéré. Et toute information que nous avons gagnée, nous avons libéré sans rançon. Et nous t'entendez, comprendre qui nécessité qui te gagne et qui douleur mon yo, effectivement mon yo libéré. Oui, mon yo libéré, mais quand un jeune garçon qui était mort, elle même li, en tout cas c'est seul lit qui va rentrer, hein? Et gagne information qui t'a dit non, mais t'as brûlé le cadavre. Mm-hmm. T'as brûlé le cadavre là, que c'est nous seulement qui va t'a. Oui, très bien. Donc, hier, nous parlé avec une demoiselle qui n'était pas la cliente dans le journal, là, qui était maman en bas, mais monsieur, yo, qui est content d'un moment de l'élève là pour dire que maman avec lui. Mais après, rappelé que Mounsayo, Poustin, il était sorti, un peu là-dedans, il était sorti Marigot pour aller dans la fête Sainte-Anne. Au pas de nouvelles, les dames qui étaient, en tout cas, organisées, mission ça. Et nous avons essayé d'entrer en contact avec les gens pour demander comment ça y est. Mais semblerait qu'il n'y a pas de téléphone dans la main. Yo. Alors, d'un coup, l'information n'est pas encore bonne. Et c'est toutefois que lui-même était capable de chercher à rentrer en contact avec la radio. Il était capable de dire comment ça y est, comment bien se planter. Et ça n'a pas brisé tout le traumatisé. Ça n'a pas brisé le traumatisé, parce qu'il n'a pas qu'à parler, mais ça fait encore bon. Et que les panneaux ont petit détail. On parle en petit détail, comment ça a payé, et puis, qui j'en ai offert pour qu'ils retournent à la caillou encore, parce que ça a été difficile à avoir de libération à derrière. À chaque monde qui est venu parler des familles, tout a bien fait, ouais. Pour nous sortir en sa foule et alors au monde avec l'immigration, pour nous jouer nos côtés au passé, pour nous passer dans la bouche en grande. Et c'est là qu'on y a tout le monde ici à chercher route à pas mal de monde. On nous peut rentrer dans ce plan encore payant ou pas toujours une possibilité à côté de Dieu qui route qui est au café pour ne pas passer en année en grande encore pour qu'il y ait des maintenir sur le plan. Difficile pour nous après l'immigration. Bon, de toute façon, nous faisons ça quand même. Et gagner, puis nous arrivons dans cet esprit déjà. Est-ce nous on dit que moun yo pas retourner avec téléphone, est-ce que c'est yo te gen matériel là mais que ravisseur yo prend ou du moins c'est ça qui passé? Alors moun yo c'est pas que tu gagne de bagage qui dans planète, c'est monsieur tout. À l'exception des téléphones, alors ils ont facté qu'un téléphone. Téléphone. Parce que par quoi vous avez gagné l'autre bagaille et c'est de la qui vous a gagné pour vous mettre sous l'eau. Et au moment du haut et des idées, c'est des paysans, alors disons, qui par quoi ça va arriver pour vous gagner la taille, qui va vous bagaille sur l'eau. Mais en général, tout a arrivé des bagailles qui avaient intéressé monsieur. Et que vous êtes capable effectivement pour la mienne, sauf téléphone, vous êtes capable qui est intéressé. D'accord.
Eh bien, merci un peu, M. Poustin. J'étais n'a pas rappelé où c'est un citoyen dans la commune Marigot, mais qui était intervenu pour être capable d'annoncer un nouvel an et demander, messieurs, pour être libéré 29 mounes qui étaient en bas main dans la zone Gros Mon et ça qui finalement fait hier. En effet, Guerrier du Sud. Merci. Merci tout le monde, merci à tout le monde en général qui t'a écouté contribution pour l'immigration. Merci beaucoup. D'accord, Frère Kébeda. Oui, Johnny. Ok, après intervention, mettre là, gagne une précision, je voulais porter pour auditeur Guerrier du Sud. Et je dis à, je pense que c'est parce que l'autorité au niveau du département de l'Artibonite et également au niveau du département du Nord-Ouest, ils voulaient ça arriver là qui fait qu'on n'a pas assisté à. Agissement, monsieur Ganzayo. Mm-hmm. C'est vrai que depuis un certain temps là, on a assisté à une certaine prolifération spectaculaire de gangs armés. Même pas ces vents ça, mais on a évité. Après Martissant, après quoi des bouquets, Canaran et autres, on a évité. Pour qui ça? Dans un premier temps, groupe gang ça qui portait nom Kokorat sans race là, l'étape opérée au niveau de l'entrée sud de la ville de Gonaïves, la Croix. Mm-hmm. Ok? Il était alerté aux autorités au niveau du battement de la Tibonite, etc. Donc, il vient faire des mouvements. La police vient prendre sur route là, qui vient faire casser dans le feu. Maintenant, monsieur, vient aller sur route nationale numéro 5, là, pas trop loin de Gros Mon, dans la Tibonite. Mais c'est sous tronçon route qui est lié Bassin Bleu au niveau du Nord-Ouest et sous continue vers les ports de paix. Négio acheté zone ça, l'argent comptant, c'est pas Joudia. Négio détourné camion marchandises. Négio violé. Négio kidnappé. Et ça qui fait ça à faire bruit, c'est parce que dimanche là, il a kidnappé près d'une trentaine de personnes. Oui. Mais ce n'est pas jeudi à Yapfel. Oui, parce que okay? Jeudi, dans la même semaine, jeudi 28, il a tiré sur un backup Udmo, un policier qui a balle dans la tête qui mouille Anthony Dumas. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay? Donc ça veut dire, malgré que il a pris un jarret, il a venu à l'aise, l'autorité a obtenu, c'est là peut-être gagné. Nombre de gens qui ont kidnappé ou bien qui ont victime, ils ont commencé à faire bruit sur les réseaux sociaux, ils ont commencé à faire bruit dans la presse, ou bien ils ont là, ou bien ils ont des plaintes, ou bien des interventions, etc. Même pensé qu'ils ont évité. Et, Guerrier Samba, ils ont fait de malheur, comme les gens qui ont suivi l'actualité à de près au niveau du département, je pense que si je dis, ils ont commencé à prendre des mesures qui ont été dans la figure, ils ont commencé à être plus à l'aise. Plus à l'aise. Plus à l'aise. Mm-hmm. Parce que côté où il y a, li son zone qui pas vraiment gen caille son zone en terre battue ça ouille les petits bois d'homme non donc inévitablement moun k'ap sorti gros mon ou bien dans l'autre zone pour rendre dans l'ouest qui obligé passer par là on dit ça autorité notamment le parquet de port de paix et puis direction départementale police à l'ouest fait yo interdit moun voyager après 7h du soir avant 6h du matin. Pour qui ça? Parce que d'après eux, c'est dans le moment où ils sont capables de permettre que des patrouilles policières fassent route là. Donc ça veut dire, si on a une urgence, donc après 7h du soir, on ne va pas prendre route là. Ça, la police ni la justice pas. Pa, il va répondre à vous, et ça vous le dit pas là. Elle dit, au lieu que nous arrangions la situation, nous obligeons. Cherchons façon pour nous adapter, nous accommoder. Voilà, donc nous pensons que Kokorat avec... sans race, qui c'est un nouveau groupe gang qui a émergé. Au niveau de Gros Mon, notamment Tibouadom, l'Oprali, Bassin Bleu. Donc, je pense que il y a pris confiance, parce que je m'en dis, je commence à faire, il y a parlé de vous dans tous les médias actuellement. Et je me suis dit, au moment où il y a dans l'entrée sud, il y a la Croix Péris, qui sont section communale au niveau de l'Esther. Donc, ils font poser. Mais je dis à la Nagyo, comment c'est parler de eux, mais et pas je dis à en pile monde Gros Mon, surtout victime. Il y a monde qui victime. En pile monde kidnappé, il n'a pas fait bruit, il aurait été en silence, il aurait négocié. Yo pas fait bruit alors que kounya la prend chaîne pour mon nord-ouest c'est nouveau va là avec des pour mon port de paix à pas la roue la saute pas au presse la saute dans n'importe côté de pays a libre aller nord-ouest là et est-ce que ni contrôle monsieur Tibouadom yo même j'aime ta gazine belle dans sud est-ce que Baptiste en descend donc ça veut dire qui mon là qui c'est nord-ouest seulement votre côté négocier parce que s'il y a sous praler bassin bleu ou praler port de paix ou pas dans quelque autre zone dans département ou sorti par exemple m'a sorti Gonaïves m'a sorti Port-au-Prince OK m'a sorti dans l'autre région d'un pays a et puis pour mal rendre moi dans département ça donc m'obligé passer par la nationale numéro 5 vous comprenez donc var là c'est au niveau du Tibouadom côté monsieur ça va opérer et nous on a fait toutes sortes de mauvaises actions nèg violé yo détourné camion yo kidnappé. Et c'est pas jeudi à Yapfel. Peut-être que dimanche après-midi, il a frappé fort avec environ une trentaine de monde. Oui. Bah là, fait gros bruit. Mm-hmm. Jeudi un peu plus tôt, jeudi 28 juillet, il a tiré un policier Udmo. Mm-hmm.
Donc c'est vrai que moi j'ai des efforts conjoints qu'a fait entre la police et Tibonite avec qui a mené dans il y a moi j'ai des efforts conjoints entre la police la Tibonite avec la police au niveau du Nord-Ouest pour essayer de capable faire des bagailles. Même penser que si c'est pas des opérations cosmétiques, n'est obligé de frapper fort, sinon gang n'a pas confiance et puis bonnet c'est grand matin puis ta capitaine. Oui. Et justement guerrier avec Johnny, gain opération la police la Tibonite à Sipo, Udmo, Nord-Ouest et puis SDPJ dans localité Tibois d'Homme pendu à Kabera dans commune Gromone bien bonnet hier dimanche là, opération ça visé croper bandio et puis libérer zone ça yo qui en bas contrôle plusieurs groupes ZAM dans la Tibonite. Policier Udmo yo rivé faciliter circulation en sur route nationale numéro 5 dans zone Gromone dans Tibois d'Homme. Bilan opération 1, c'est déjà 3 présumés bandits qui t'a mouri, 6 l'autre blessé, 4 individus arrêtés et puis la police rivé saisi 6 motocyclettes. Ouais, voilà, c'est ça information fait qu'on est qui sont si bon côté la police et n'a bien pour nous parler avec Ospadonouok Jovens Clavel tout à l'heure. Mais nous on pourrait parler avec agronome Arthur Jovial Bonisset puisque nous apprenons c'est samedi 6 août qu'a venir là funérailles, chirurgien, pédiatre haïtien, docteur Peigne Roberto, qui était mort assassiné en Floride, 13 juillet passé, a finalement chanté dans la commune Ansapitre. Et Arthur Jovial Bonisset, c'est une petite Ansapitre, livré partager avec nous, salle qu'on est concernant information ça, nous songez, Jean, nouvelle ça, t'est tombé, donc jeune professionnel haïtien ça, qui était obligé courir, quitter pays pour insécurité, mais qui est après le mourir en babal aux États-Unis. Arthur Jovial Bonisset, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Rudy, bonjour Johnny, bonjour à tout opérateur qui permet que le monde là atteigne Grand Boulevard jeudi mardi et qui c'est de août là. Très bien. Donc, on annonce que funérailles médecin ça, jeune médecin ça qui était obligé de quitter le pays à l'Apchaté. Samedi, on va retourner avec nous sur ce fait ça, sur incident qui était conduit à assassinat médecin. Oui, d'un côté de l'introduction, et docteur Roberto Peigne, que tout le monde a fait connaître, non pas tout, essayons. Un jeune haïtien qui fait un pile effort de commune en Sapit, ville en Sapit, quand elle était prenne naissance en 1980, et quand elle a pris cette fréquence, pas même dans un bon école secondaire dans la ville Sapit, elle était obligée d'entrer dans la commune Cafou et dans le lycée de Dikini pour faire l'école secondaire. Lui, bon, et après, elle était allée à la République dominicaine du côté de Santiago pour faire études de base en médecine. Et après, elle était rentrée à Haïti, elle participait dans le concours, quand elle était même sortie lauréat, des lauréats, pour être rentrée à perfectionner, à le spécialiser en chirurgie. Et elle était trouvée, ça pas suffit pour te dire son diplôme de chirurgien général. Elle a spécialisé encore, elle a fait ça dans une sous-spécialisation en chirurgie pédiatrique. Et depuis lors, elle était mise au service de pays, lui. Quand il t'a payé à Port-au-Prince et dans différents centres hospitaliers comme l'hôpital Saint-Damien, comme dans d'autres hôpitaux, quand il t'a même fait des services au niveau de Fond-Révette, de Baudary, dans la commune Gangosier et même Mapou, dans la commune Bellance, eh bien, il t'a évolué très bien en Haïti jusqu'à ce que les situations sécuritaires pays a. Il mettait vraiment en difficulté, côté madame avec deux petits qui étaient obligés de quitter le pays. Mais même il a fait résistance. Et m'a rappelé nous, docteur Roberto, t'es construit et dans la zone côté M. 400 Marozo a opéré dans plein du cul de sac. Bon, au côté que lui était obligé, pas même qu'à la Cali, le film travail. Bon, devant tout ça, malgré résistance qu'il a fait, il était obligé de jeter lui pour aller vivre en Floride. Et côté lui-même, il a pu organiser lui pour prendre formation pour entrer comme médecin aux États-Unis, pour te rentrer dans le corps médical aux États-Unis. Bon, comme nous tous nous connaissons, le jour qui était 13 juillet, pendant que madame Lee, qui était abonnée à Service Uber, comme Aïssé qui a connu Service Uber, son service taxi, contre au carré, et vous doublez tel bagage, et puis comme il y a un doux, ok, elle prend tel bagage, tel côté, elle baille tel monde pour moi. Eh bien, lui-même, il était à pépé, madame Lee, l'a livré en nourriture du côté de Port-Saint-Lucie, qui se trouvait au nord de Miami, à 180 km à peu près. Eh bien, ce soir-là, du 13 juillet,
corps. Il a été criblé de plusieurs balles. Et depuis lors, c'est la catastrophe. Et nous-mêmes, dans la commune Sapit, et à travers tout le pays d'Haïti, qui était connu pour un service et gros spécialiste, c'est passionné de la médecine, c'est passionné du bon service, et bien c'est la souffrance, c'est la mort pratiquement. Mais il a fallu beaucoup de batailles avec la famille qui est basée aux États-Unis pour nous dire nous t'aimer récupérer quoi au moins pour nous faire funérailles. Parce que c'est un héros, nous, pratiquement, que nous perdons. Bon, le combat a été fait, il est mené. Et la semaine écoulée, Koat est rentré en Haïti, via la République Dominicaine, et que nous avons placé l'inomog. Et finalement, et samedi, si Dieu veut, à partir de 2h, 3h, la communauté en Sapitoise là a pu célébrer la vie et puis chanter funérailles et docteur Roberto Pei, dit pas tout. Et je dis à nous venu là, c'est pour nous avoir annoncer à tout le monde qui te connaît docteur et qui t'a aimé et peut-être participer dans le funérail là, que nous annoncions ça pour être capable de faire le nécessaire dans la mesure du possible et surtout pour nous annoncer le pays là, pour qu'on fasse effort pour résoudre le problème d'insécurité ça, qui a dérangé le pays, qui a détruit le pays là. Parce que docteur Roberto pas tal pour information yo pour t'al servir l'autre pays pour t'al faire taxi mais c'est temporaire pendant qu'il a en condition pour lui reprendre diplôme ni aux États-Unis pour l'al travailler comme médecin. Docteur Roberto était chargé rêve au pays ça par exemple à Sapit qui c'est ville natale lui rêve lui c'était mettre un centre hospitalier pour travailler dans l'autre bureau c'est pour lui créer des conditions à suffisamment de revenus pour venir faire l'hôpital pour servir communauté. Donc c'est gros autorisation ça que n'a crié dans sa pays que pays d'Haïti supposé a crié parce que pays ça qui pas gagné ressources comme ça. Donc longtemps de au monde fin fait 7 ans d'études de base en médecine, il fait 4 ans dans chirurgie, le final a fait 2 ans pour les chirurgiens pédiatres plus toute année il fait l'école. Donc mes amis, nous comprenons qui quantité de sacrifice et c'est dur lorsque pays a pas qu'à bénéficier de tout sacrifice ça yo pour que ces monde obligé de quitter pays a pour la gaspiller quelquefois, mais que M. Lim n'est pas entendre pour ne pas pratiquer médecine, quelquefois à côté de là, il dit bon, la paix soumettre à toute exigence, et après ça, pour y rentrer, pas même si les États-Unis c'est médecin pour lui, parce que c'est ça, c'était sa passion depuis sa tendre enfance, et puis c'est ça qu'il voulait faire. Mais malheureusement, des mains criminelles, et retirer nous, les docteurs, mais n'a pas crié, demandé l'État haïtien, prends mesure pour que nous pas gagner, pour nous crier, pour ça encore, pour que involontairement, des cadres haïtiens pas obligés à quitter le pays pour aller fonctionner dans l'autre côté. Maintenant, qui condition l'arrivée prend balle ça, puisque est-ce que c'est dans une zone raciste l'État allé, qui genre même, comment situation présentée, parce que est-ce que quand on est dans une zone raciste, et vous connaissez, la justice américaine a fait et tout démarche. D'ailleurs, le lit est fini mourir, il a fallu beaucoup de temps après pour la justice te remettre quoi mais dans la tête. Donc, lit a quitté la Kaili. Là, c'est madame qui était pas capable de conduire, elle fait job lui. Et bien, lui-même, comme mon mari, il dit ok, pas mal faire livraison pour chérie. Et pendant que la livre dans le lieu pour elle faire livraison, hein, bon, même pas qu'on est, vous connaissez, non, par les débats qui t'a aggravé, bon, qui pas clair. Et puis que il y a monde probablement qui était positionné soit attendu ou bien soit attendu l'autre cible et puis ils arrivaient criblés de plusieurs balles. Ok, ils ont crasé col net, crasé machine. Si on regarde des vidéos YouTube, il y a même y a monde qui était en caille qui pas trop loin côté machine qui était garée pour aller faire livraison. Et bien balle rentrée jusque dans salle de bain, elle crasé salle de bain y a rivé qui était sous zone là. Donc même pas voulu et dit d'ailleurs nous pas de là tout, vous comprenez? Mais c'est son acte de sécurité ou bien bon assassinat peut-être programmé pour lui ou bien pour l'autre monde, mais nous espérons que la justice américaine a